Bonjour à toutes et à tous, c'est Linkus. Et nous voici sur Don't Starve. Alors j'ai vu que j'avais un peu de marbre sur Chester. Alors ouais, bah, impeccable, je vais pouvoir. Parce que, ah non, c'est du sol. Le sol et moi c'était de l'armure que je voulais. 4. Ah 12 marbre! Ah mais j'ai pas assez. Ah, un sol de marbre, c'est cool. Je l'aurais fait, je vais pas le poser, on s'en fout. Et bon, j'ai pris de quoi manger. Je vais larguer mon marbre. Et allons dans les marais. Mais même mon panneau a pris feu du coup. Ah merde. Ah non, mais ce feu. Et je pars, j'ai pas éteint mes machines. Ouais, je m'en fous, allez. Je m'en fous, ça va tourner, allez, on s'en fout. Ça devrait tenir. Ah, mais j'ai plus rien pour mettre dedans aussi maintenant. Ah ouais, non, mais ça va pas le faire, ça. J'ai déjà chaud. En même temps, j'ai un nombre incalculable. Désolé, hein, je me suis arrêté en plein milieu parce que j'avais cru entendre un bruit de géant, mais non. J'étais content déjà, mais. Ouais, mais doucement. Donc, ouais, j'allais dire, j'ai un nombre incalculable de trucs pourris comme ça. Ah, le boomerang est là. Donc, j'ai de quoi alimenter, même si c'est pas génial. Ça fera un petit peu l'affaire. Allez, pose-le! Alors. Ah, je vais ramasser les bouses aussi, ça va être pour foutre dans le feu, hein, du coup. Je vais peut-être couper ces arbres là, parce que. Elle est où ma hache? Elle est ici. C'est moi qui avais planté ça. Tout au début. Hop, hein. On se respecte, hein, la nature. Bon, allez. Rebelote. Dans les marais. Alors, par là, il n'y a pas de. Pas de roseaux. Pour les roseaux que je suis venu. Hein. C'est pas génial. Hein. Ah si, ça va. J'aurais aimé avoir un groupe un peu plus compact de roseaux, mais on va faire avec. Hein. Parce que ça, c'est pareil, ça va partir à une vitesse avec toutes mes tous les sarbacanes. Ah, c'est calme les marées là. Tant mieux. Ah, je vais pas rester trop longtemps dans les marais quand même. On va éviter de passer la nuit ici. Ah, je vais la prendre quand même. M'en fous. M'en fous, j'y vais. Bon, avant la nuit, c'est la chaleur qui va m'embêter. Ah, j'ai pas regardé pour faire un casque de glace. J'ai de la glace. Ah, si, je vais faire ça. Ouais, je me suis pas encore attaqué. Je me dis, ouais, j'ai bientôt fini de construire un peu tout ce qui est possible. Mais j'ai encore une grosse partie niveau
vêtements, hein. Mais bon, là, le vêtement. Entre nous. Alors, c'est ça qui est dommage, hein, parce que. Oh là. Parce que les vêtements, en fait, il y a des trucs assez utiles, hein. Ouais, je pense au casque, hein, en l'occurrence. Mais bon. Je pense au chapeau pour se planquer. Je crois qu'il y a un chapeau pour se planquer, comme ça, en forme de buisson. Il y a des trucs comme ça qui peuvent être. Qui peuvent être pas mal. Entre autres, hein. Je sais qu'il y a pas mal de choses, mais bon, forcément, on est toujours embêté avec les saisons. Donc, soit on met un chapeau de pluie, soit comme moi, je voilà, toujours avec mon casque, on sait jamais. En même temps, je suis avec la guerrière, donc c'est normal. Je vais à la baston régulièrement, mais voilà. Alors les pièges, ouais, on a vu, ça prend pas feu normalement. J'ai l'impression après. Chester, tu me suis? Je suis là, suis la lumière. Ouais, bon, mes machines, voilà, je les ai laissées tourner, mais. Alors j'ai encore un peu de savane ici, combien? Ah, voilà. On va remettre un petit coup dans la machine. Alors est-ce que je peux charger avec ça en plus? Ouais, parce que je savais pas si c'est bon. Ah, ça va faire le boulot, hein. Au moins pour ça. On va prendre des précautions, hein, on va les recharger tout de suite. Ok. Alors, mes dards. Alors ça déjà c'est pourri, on va le charter. Je vais reprendre. Ah bah c'est bon, m'a lancé sur moi. Mes dards, ils sont où? Ici même. Alors qu'est-ce qu'il me fallait d'autre? Je vais continuer. Ah bah les plumes. Il faudrait que je fasse un stock de plumes aussi, mais alors c'est un boulot ça. Bon, c'est pas fameux. Mais bon, 11. 11 avec 3 à côté. Bon, c'est juste pour dire de déranger un peu le géant s'il vient. Plus que de le blesser, mais bon. De l'embêter un peu, de le ramener vers moi. Est-ce que je peux le foutre dans le feu, ça? Le marbre dans le feu, logique. Donc, j'en étais où? Bah, ça serait pas mal que je refasse mon coffre, mon thermomètre, mais bon. Je vais certainement le refaire hors ligne. Alors ça, voilà, fireproof. J'avais pas lu quand j'avais regardé. Mais voilà, à l'épreuve du feu, donc. Un coffre à l'épreuve du feu, ce serait génial. On a vu, ça aurait été utile, mais alors, faut choper ça sur du géant, apparemment. Donc c'est n'importe quoi. Mais là, disons qu'au moins l'objet, c'est sympathique. Ah oui, j'avais dit le chapeau de glace. Ice Cube. Ouais, j'ai mes machines, mais j'ai toujours un peu peur. Alors, ouais, je vais commencer à remettre du bois, ça m'embête. Ah si. J'en ai encore un peu de la pourriture. Hop. On va se rafraîchir comme ça. Fais-moi un gros feu, s'il te plaît. Donc, il me faut ceci. Il me faut ceci. Parce que en fait, je fabrique des trucs, mais j'en ai plein partout. Ah, de l'or. Alors, une, deux. Et je crois que c'était quatre cordes.
Je vais peut-être aller voir mon roi cochon. Ah bah voilà. Alors ça rafraîchit, mais alors ça monte. Comme on peut voir, hein, ça monte la jauge d'humidité. Donc bon. Ah, je vais le prendre, comme ça je vais pouvoir me balader tranquillement. J'aurais dû faire à manger au lieu de discuter. Alors, on va faire un gros truc. Ah, cet oiseau, je l'adore. Hop. Allez, fais tourner. Alors, paradoxalement, il y a un truc qui prend jamais feu. Bah, c'est les machines de boules de neige. Ah, je me dis, voilà pourquoi. C'est protégé comment? Parce que, autant mon frigo il prend feu, merci quoi. Merde, c'est un truc en métal quoi. Bah, les murs de pierre non plus, hein, on est d'accord. Les murs de pierre, tout va bien. Mais... C'est juste pour dire quoi. Allez, on mange, on ramasse tout ça. On va se refaire un petit stock d'or, c'est ça, il faudrait pas que je tombe en rade parce que c'est avec ça que je fais ma lance et mon casque, hein, je le rappelle. Non mais j'ai plus de place, je reviendrai. Ah, Chester. Il fait chaud, hop. Ouais, est-ce que ça marche? C'est pas... Ah, c'est pas probant là, hein, tout de suite là. J'ai encore chaud quoi. J'ai un gros cube de glace sur la tête, déconnez pas. Ah non, mais ça marche pas. Ah, ça marche pas, j'imagine que ouais, si, ça doit. Je vais résister un peu plus longtemps, mais. Ah bah si, voilà, je suis mauvaise langue. Ah non, mais c'est fou hein, le mec, la patience du mec. Je le mets 2 secondes, oh, ça marche pas. Si, si, ça marche. Quand même. Allez, dix morceaux de glace, hein. On a vu le cube là, sur ma tête, merci. Bon alors, salut copain, j'ai des trucs pour toi. Alors des sortes de fils électriques, ok. Alors la fusée de Tintin, tu peux te la carrer, mais alors bien... Bon, voilà, je le dirai pas, mais on a compris. Et t'as plus d'or? Ah si. J'allais dire, merde. Ça y est, je l'ai vidé lui. Mais non. Le papillon est en train de prendre feu. Il vole et il prend feu. Ah, je l'ai perdu de vue, mais ça m'interpelle ce genre de choses. Ah là, on a des journées sans après-midi, quoi. On, directement, on passe à la nuit, on dirait. Hop. Alors, j'ai vu qu'il y avait un pot de planche, ça peut toujours servir, hein. Ouais, voilà, j'ai refait un petit stock d'or, ça le fait. Chester, tu vas servir à quelque chose. Ah bah, c'est plutôt efficace ce cube. Même si forcément hein, ma jauge d'humidité monte, du coup ma santé mentale diminue, mais bon. Ouais, je vais essayer de ramasser tout ce que je peux là pour foutre au feu. Ah, ça m'embête, hein, ma réserve de savane. Ah, j'avais de quoi faire. Ah, bah, je vais tuer de la chauve-souris pour finir. Ah, bah non, merde, c'est la nuit. Bon, je vais m'arrêter là-dessus. Merci d'avoir regardé. Et à bientôt. Au revoir.